Voilà. Voilà, le premier décret. Remise décret. À la CNDP de cette déchetterie. De manière à ce qu'il y ait pour belle sur le territoire, il y a qui l'enduit. Et comme tout le monde pas de rôle en nuit, ça veut dire la journée, il y a un pont pour belle, ce territoire en Nord-Bastère. C'est une excellente chose qui se réalise sur le territoire aujourd'hui. Le Conseil régional, dans son programme de visant à réduire les déchets à zéro déchet en 2025, a lancé une première opération sur le territoire. Il y a 8 déchets qui vont arriver. Ce slogan, c'est véritablement une feuille de route et d'action. Zéro déchet, ça veut donc dire qu'il faut que nous recyclions 90% de nos déchets, alors que nous n'en recyclons que 25%. En 2017, j'ai eu la chance d'intégrer la région Guadeloupe après avoir été lauréat du concours d'ingénieur territorial. Et on m'a missionné sur le projet de construction des 8 déchetteries en maîtrise d'ouvrage régional. 5 déchetteries pour le compte de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe et 3 déchetteries pour le compte de l'agglomération du Nord-Bastère. Déjà, je remercie vraiment Mme Gustave Zidichot qui fait un gros travail là-dessus. Zéro déchet 2035, nous avons tout mis en œuvre pour vous. C'est 16 déchetteries qui seront construites à terme en Guadeloupe. Mais pour l'instant, nous avons lancé déjà les 8 déchetteries. La région est prête, le financement est en place et bien nous attendons pour nous mettre le terrain à disposition. Donc, je tiens à féliciter vraiment le travail d'une équipe, le travail de Sylvie et surtout du jeune Guadeloupéen, ce jeune ingénieur, M. Absalon, qui fait un travail monstrueux.